Salut les Pokéboys et les Pokégirls, j'espère que vous allez bien. C'est Mega Pikachu et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 28, si je ne me trompe pas, de Soleil Esprit sur Pokémon version Cristal. Et donc j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, je vous propose qu'on continue donc notre aventure sur Pokémon Cristal, comme je vous l'ai dit. Donc aussi, avant de commencer, si vous avez remarqué depuis quelques jours, l'avant-dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne est un petit peu what the fuck, ne cherchez pas à comprendre, c'est juste que il devait être vers les minuit et quelques et j'ai pété les plombs, c'était le 23 août, toujours mon anniversaire, je vous dis pas ça pour que vous me souhaitez bon anniversaire dans les commentaires, mais si vous voulez, faites-le. Mais voilà, j'avais vu une vidéo de Gus Production juste avant et le titre c'était j'ai mangé des pâtes et... En fait, il y a un type qui dit j'ai mangé des pâtes, du coup j'ai décidé d'en faire un remix. Bref, si vous voulez voir ce que ça donne, vous regardez sur ma chaîne j'ai mangé des pâtes remix. Cherchez pas à comprendre mon délire, voilà. Et j'ai posté un petit bonus aussi le jour où je tourne la vidéo, le 27, le jour même, je vous ai posté une vidéo bonus sur Pokémon Showdown, Pokémon Online, où j'ai fait un combat contre Sycomore, un youtubeur comme moi. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté. Super sympa et tout. Et donc voilà. Et donc maintenant, on va arrêter de parler sur la perte du temps et on va commencer. Donc la dernière fois, on est arrivé à Céladopol, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le nom de cette ville. Très grande ville avec un centre commercial et tout et tout et tout. On a fait la reine Fingers in the Nose, comme j'ai dit. Et je vous propose qu'on sorte de cette ville et qu'on aille vers une autre simplement parce que je ne vous cache pas que des fois je regarde les solutions sur internet et j'ai remarqué qu'on devait plutôt aller ici à Parmanie tout simplement parce que en fait je crois qu'on peut le faire dans l'ordre qu'on veut mais je pourrais pas par exemple à la base j'étais allé à Azuria mais on ne peut pas faire l'arène tant qu'on n'a pas fait celle de Céladopol et celle de Parmanie je crois donc on va aller vers Parmanie mais tout d'abord vous vous rappelez de ce vieux monsieur là qui disait qu'il y a des gros tas de morts dans le lac et tout il y en a un qui habite ici j'aimerais bien voir si je peux le trouver ça se trouve ça fera rien mais juste pour tester. Si je le trouve pas là de suite, j'abandonne. Apparemment il doit avoir que lui parce que c'est super long. Attendez. Allez, ah voilà. Ça a l'air d'être un combat épique. Eh oui. Un tas de morts plutôt. Allez, on se le fait. Par contre, Ratatat, ça va pas trop le faire. Quoique. Qui sait. Allez, on essaye. Je fais n'importe quoi sur lui. Je cherchais pas à comprendre. Vu qu'il est que niveau 16. Voilà, tranquille. Voilà. Et on va voir maintenant ce qu'il va me dire. Bonjour. Totalement s'en va. Devant la maison, totalement vit maintenant. D'où est-ce qu'ils viennent tous? C'est un gros problème. Je viens de tuer ton petit tas de mort là. Donc si tu veux pas me récompenser, va-t'en, je vais tout te parler. Bref, maintenant on va continuer, donc je pense qu'il faut aller par là. Donc on va vite fait regarder le Pokématos, voir si je suis sur la bonne route. Bon, je suis sur la bonne route. Et c'est parti les amis. On est. C'est parti pour la route 16. Bonjour. La piste cyclable commence ici. Ah mais parfait. C'est une descente facile et très reposante. C'est aussi une sensation unique et différente du train ou d'un bateau. Et en parlant du train, je sais pas si j'avais... je regarde juste, parce que des fois j'oublie ce que je fais. Je suis sûr que j'ai un objet, un passe-train, truc du genre. Ou pas. Je crois pas que j'en ai eu. Dans le magasin. Passe-bateau, oui, je passe-bateau, mais pas le truc du train. Donc j'essaierai de récupérer d'ici là. Voilà, donc on est sur la piste cyclable. Aussi, je tiens à vous dire pour le let's sur Pokémon version génération, je vous dis pas continuer, vous inquiétez pas. Juste que j'ai tourné l'épisode avec Joey, tout simplement, je l'ai tourné en avance parce que c'était dimanche, il est parti en Russie pour des études, si vous voulez savoir. Donc si jamais il n'avait pas de connexion internet, il m'a préféré tourner en avance. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Il y a aussi un gros décalage à cette vidéo. Je pense à l'ancienne, je crois que c'est à cause de du partage d'écran Skype. Donc vous allez voir qu'il y aura un gros décalage à partir du milieu de la vidéo. C'est vraiment horrible, mais j'essaie tous les moyens, mais je peux rien faire. Bref, j'essaierai d'arranger ça pour les futurs épisodes. Bon, maintenant on est parti
font la piste cyclable en direction de Parmanie. Une descente d'enfer avec beaucoup de dresseurs, je parie. Ah ok, je peux pas m'arrêter. Okay. What? On peut passer à travers? Oh mais c'est classe. C'est super swag. Allez, ben on descend. Je ne touche même pas mon clavier, pas plus bien. Oui, je peux faire les vidéos, tu vois. Ah, non, va-t'en. Attendez, non. C'est data tactique. Voilà. Oh purée, comment on l'a évité? Non, vous n'êtes pas allé par là. Non, on monte. Voilà, on monte. Voilà. Et là, on doit aller par où? On doit aller par là, sinon si vous entendez des bruits. Ah, bonjour monsieur. La montée de la piste cyclable commence ici. Allez, pour monter, ça va être beaucoup plus dur, je pense. Au 18. Oui, est-ce que je suis sur le bon route? Logiquement, oui. C'est bien ça. Ah, aussi, je vous ai pas montré mon équipe Pokémon. J'ai rien touché, comme d'habitude. Donc pour l'instant, je fais pas trop de trucs parce que je crois que je suis un petit peu en avance. Mais bon. Allez. Bonjour. Je crois que c'est la piste cyclable au 18. C'est la 2 poils par Manu. Ah non, j'ai pas envie de te défier. Non, c'est pas grave. La piste cyclable est un raccourci vers Cella de Paul. Ouais, mais niveau montée, je pense que c'est beaucoup plus difficile parce que, pour tout dire, je touchais pas mon clavier, il descendait tout seul. Donc, bah, c'est un chat dans le jeu, quoi. Norfang, bah, c'est parfait. Trotata que. Attaque, plutôt. On va lui faire avant glacé. Allez. Je ne sors pas parce qu'il a qu'un Pokémon, donc bon, c'est tranquille, quoi. C'est super efficace. Délier. Ah, ça c'est une attaque puissante qui va lui causer des dommages. C'est bien ça, dommage. Il fait ça. Parfait. Là normalement, il devrait être fini. Voilà. Morfang et KO. Ça fait exprès. Rat attaque. Fouille. Ok, épique. Bon. Alors, je voudrais vous bien voir parce que Rattata en position. Non, moi j'en mettais Tart parce que c'est celui qui a le moins d'XP. Et comme il est assez puissant, ben, niveau attaque, ça va. Ça aurait été Migalos ou Spectrum, je sais pas si je l'aurais mis en premier. Et nous voici donc à Parmen. Donc, une ville qui a l'air d'être très grande également. Bonjour. Ça, c'est quoi? Il y a une affiche. Le bureau du parc safari est fermé jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que c'est par ici? Parmanie, la rose de la passion. Ben, j'irai voir. Après, d'abord, je cherche le centre Pokémon. Parce que c'est quand même important de trouver le centre Pokémon dans une ville. S'il n'y en a pas, ce serait vraiment bête par contre. Ok, je suis dans quelle ville? Ah ok, c'est ici, mais comment on fait pour y accéder? Faut couper? Bonjour. Ne rien jeter, utiliser les poubelles. Ah, c'est bien ça. C'est quoi cette ville? Ah oui, il fallait couper pour... Ah non, j'ai rien dit. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Le gardien voyage à l'étranger, ainsi le parc safari ferme. Bonjour. La fille de Koga a pris sa succession en tant que championne d'arène après son départ pour le Conseil des 4. Ok. Donc c'est la fille de madame. Donc là c'est la reine, je suis. Ok, c'est rien du tout. Où est le centre Pokémon? Est-ce que vous me devez prendre pour celui qui est fou? Vous devez vous dire, mais c'est là. Mais c'est où là? Je suis sûr qu'il faut faire le tour. Non, c'est un endroit complètement paumé qui sert à rien. Je voudrais aller ici, là, à gauche. Mais là, ça mène nulle part. Est-ce qu'il faut prendre un autre endroit? Cette ville est vraiment what the fuck. Là, je tourne en rond. Ça commence à m'énerver. C'est quoi, ça? Maison du gardien du parc safari. Viens voir. Mon pépé est le gardien du parc safari. Enfin, il était. Il a décidé de prendre des vacances et de voyager tout seul.
Il a démissionné juste comme ça. Et toi, t'es toute seule, quoi. Ok. Normal. C'est la photo d'un vieil homme entouré de Pokémon. C'est la photo d'une grande plaine verdoyante avec des Pokémon rares tout partout. Ok. Si tu veux. Maintenant, tu peux me dire où sont les Pokémon. Par contre, est-ce que je peux... Non, je voulais juste utiliser un raccourci pour le vélo, mais ça marche pas, quand même. Ça, c'est un menu. J'ai complètement un peu de deck, c'est génial, c'est une abandonne plan. Ça, c'est quoi, ça? L'autre qui a un mousse. Je suis complètement tourné, là. Ah, je me trompe de touche. Attends, je suis complètement tourné, là. Je suis sûr qu'il y a moyen d'accéder, quand même. En allant au fil de par sa menu. Nous part, génial. Bon. Ah, les gens, je suis vraiment un noob niveau ça. On va reprendre notre vélo parce que ça a l'air cool quand même. Hop. Bonjour. Je sais pas comment faire. Un du conseil de 4 était le champion de la reine de Parmanie. Effectivement, là. Parce qu'il faut aller par là d'abord, est-ce que c'est obligé? Ok, il n'y a personne, mais vraiment personne, décidément. Mais genre, comment on fait? Ah, ben voilà. Voilà la solution. J'ai passé quand même 5 minutes au moins, facile, à chercher le truc. Champion d'arène de Parmanie, Janine, au datement. Ninja au mille poisons. Le ninja, ça me fait penser au combat, mais faisant un peu comme type vol ou psy. Je sais pas si j'ai ça, mais je devrais se débrouiller, tout le monde. Comme d'habitude. Allez. J'accélère. Voilà. Magie. Encore merci, à bientôt. Merci à toi. Alors, il y a quand même des maisons que je voudrais visiter, parce que celle-là, c'est la seule maison. On peut payer chez mon frère Léo au Cap d'Azuria. Ok, si tu veux. J'ai vu des drôles de Pokémon non sur la piste cyclone. Moi j'ai vu des dresseurs. Et à part ça. Non, mais je propose qu'on fasse l'arène, les gens. On va pas perdre de temps. Donc on va laisser. C'est. Comment ça s'appelle? C'est. Tétart. Voilà ça. Hey, Grindstar. Regarde autour de toi. Tous les dresseurs ressemblent à Janine. Mais qui est la vraie mystère? Ah non, ça va pas recommencer là. Bonjour. Ok. Tu m'as cru. Ah, débile. Attends, il vient de me traiter débile. Allez, ça change les nouveaux Pokémon. Hein. Maintenant, ils ne sont plus comme ça. Bulle bizarre. Ok, j'ai rien dit. Ok, c'est vraiment bulle bizarre comme ça? Parce qu'on dirait qu'il est shiny. Enfin bon. On va changer parce que je voudrais pas qu'il me one-shot un Pokémon comme ça. On va renvoyer Ratatak qui a vent glacé. Hop. Du parfum, ça fait quoi déjà ça? Esquive, ouais, c'est l'esquive qui diminue. Vent glacé. Non, c'est un one-shot. Voilà, tranquille. J'ai pu envoyer feu, comment ça s'appelle, diffusion aussi. Enfin. Il envoie qui? Air bizarre. Bah, il doit avoir un bulle bizarre, air bizarre et feu bizarre peut-être. Allez, meurs. Je voudrais pas que l'un soit encore finir une zone parce que bon, c'est nul quoi. Non, j'ai rien dit. Génial. Bon, on va le garder quand même. On va tenter. Ok, bon, toujours. Une cherbe. Ok, il n'arrête pas de dormir, décidément. Non, mais sérieux? Non, mais c'est n'importe quoi, les gens. Non. Sérieux? C'est quoi ce truc? Ah, ben voilà, pas trop tôt. Il a dormi combien de tours? Plus de 5 tours? C'est pas possible! Sérieusement? Ratatak, c'est quoi ça?
Mais dis donc, je suis pas fier de toi là. Furiza. Non. Je peux te le faire. Ok, je rate mon attaque. Oula. Oula. Est-ce que j'ai prévu des objets? Je crois que j'ai rien prévu. Une guérison. À 6 potions max. Hyper potion aussi là. Ouais, j'ai rien. Voilà. Si tu veux. Allez, on va passer. Ok, super efficace. Pas plus gros dodo. Voilà. Tranquille. Rate pas ton attaque, toi. Yes. Voilà, ça c'était le premier dresseur. Même pas mal. Ah bah si, si, pas mal. Ok, je peux pas aller par là. Comment je fais? Ok, c'est des textures dégueulasses. On peut pas savoir si on peut passer à travers ou non. Ok, en fait, je crois qu'il faut faire le tour. C'est vraiment moche. On n'a plus trop le choix. Bon, bah, décidément, faut passer par là. Non, je suis Janine. Tu me crois, non? Combat! Non, je crois pas que c'est toi. Enfin, si c'est toi, ce serait bête de gagner une reine comme ça. Ok, c'est pas elle. Je crois que j'ai oublié de. Alors, ni de ping, type sol, poison, je crois. Il y a un Pokémon de type sol également, je crois. Un truc du genre. Comme Gravalanche. Griffe. C'est quoi cette attaque? C'est un vrai. Merci, merci. Yeah! Gravalanche Power! Et Tarte, monte au niveau 47. Tranquille, Pepero. Zut, presque! Ah oui, presque. Alors, c'est toi? Ah non, ok, c'est un garçon. Wahahaha! Je suis Janine, je te jure! Ok. C'était dans ce pro... C'est la première fois dans Pokémon qu'on voit un travesti les gens. Révélation. Nidoking. Je crois que c'est pareil, hein. Ou un type sol aussi, je crois. On va renvoyer une branche. Hop. Darvenant. Oh mon dieu, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Allez. Non, non, non. Genre, il est plus rapide que moi. Ah oui, en même temps, Gravalanche. Si je suis empoisonné, je te jure que... Non, c'est bon. C'est bien, Gravalanche. Super efficace. Allez, tranquille. René a perdu. C'est trop bien de se déguiser. Ouais, mais déguise-toi en homme ou en autre chose, mais quand en femme, quoi. Parce que je suis sûr que c'est elle au milieu, là. Non, j'ai rien. Nyahaha. Je suis Janine, de la reine de Parmanine. Même pas vrai. Je rage, je rage. À moins que ce soit un script, soit fait pour que tu combattes tous les dresseurs, et que la dernière soit forcément Janine. C'est possible aussi, hein. Pokémon serait capable de faire ça. Hein. Qui c'est? Tétarte. Mais non, j'ai pas trop envie, tu vois. Allez, renvoyons. Attack. Oh non. Et lui se prend tout. Poison, paralysie, génial. Attack. Allez, vent glacé. Ok, je rate mon attaque. Tranquille. T'es paralysé, mais. Soit tu réussis, soit tu réussis pas, mais tu peux pas rater ton attaque, quoi. Sérieux. C'est quoi tout le monde. Voilà. Oh non, sérieux. Un ou deux PV, quoi. Je rage, je rage. Il attaque. Oh non, pas un niveau. Hop, il attaque. Allez. C'était son seul Pokémon ou quoi? Non, il y en a trois, j'aime bien. Arbok, petit poison.
Je crois que c'est ça aussi, je sais plus. C'est ici, là. Ouais, voilà. Coup critique, mais c'est super efficace. Ah là 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 là. Ortide. Bon, allez. Parce que lui, il est... Y a que sur Grave Blanche que je peux compter. C'est lui le film le plus fort là-dedans. Voilà, en plus, voilà. En plus, c'était même pas super efficace, mais il n'est pas efficace du tout. Voilà. Lui, fait que des one shots. Y a que sur Grave Blanche qu'on peut compter, je vous dis. Tu m'as cru, hein? Non. En fait, vous ressemblez plus, c'est pour ça que je sais pas. Coucou. Niahaha, je pense que c'est. Désolé de te décevoir, mais en fait, c'est moi la vraie. Je suis Janine de la reine de Parmen. Eh ben voilà les gens. On a trouvé Janine. On a trouvé Jeannette. Ok, c'est un Pokémon, tranquille. On se fait fouiller comme ça. Mais c'est enfer. Alors lui, je sais pas c'est quoi sa faiblesse. On devrait pouvoir se débrouiller avec... Ouais, en fait, pas avec elle. Il va en glacer, tu peux le faire, tu peux le faire. Non, il va me rendre confus, plus paralysé. Si tu réussis à t'attaquer, je retire tout ce que j'ai dit sur toi. Voilà, qu'est-ce que je disais? On peut pas compter sur t'attaquer. Bon, c'est parti, il va en glacer. Ouf, j'ai déteste le bloc. J'espère que ça j'aimerais pas trop. Allez. Allez. Vous pouvez le faire, c'est super efficace. Sa vitesse diminue. Ça ne sert à rien, t'es paralysé. Sérieux. Si tu réussis, attention, attention, là, je te jure que. Ah, oh mon dieu. Ah, t'attaque a réussi, en plus d'être paralysé et confus. Oh là là, je vous jure que. Je sais même pas comment j'ai appelé l'épisode. Ouais, un truc écrasant. Soit avec Ratatak, soit avec Jeannette, je sais pas. Faut voir. On va utiliser Smogogo. Ouais, vous savez quoi, j'ai envie de faire XP quelqu'un d'autre. Parce que toi t'es nul en fait. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Ah là là, j'espère que vous entendrez pas non plus mon frère en train de crier comme un fou. On va lui faire cascade. Parce qu'avec un peu de chance, il va avoir peur et pas vouloir attaquer. Non, il veut pas. Oh, il va s'en faire. Enfin, il a raté plutôt. Puis parce que dans ce Pokémon, on sait pas la différence entre ça n'affecte pas et l'attaque échoue, on sait pas. Par exemple, moi je fais hypnose sur un Pokémon, ça, tandis qu'il peut être endormi, il met, ça n'affecte pas tel Pokémon. Si vous avez regardé l'épisode sur la limite, vous voyez. Migalos. Ouais, on va prendre Typhlosion. Hop. Ah, tu t'y attendais pas, hein. Oh, de feu. Allez. Meurs, meurs, meurs. C'est super efficace. Smogogo. Allez. Allez, t'es fort. Cascade. Toxique. Ah, voilà. Là, je suis touché. Je suis fort, je vais être gravement empoisonné. Ça va l'affecter, hein, peut-être. Allez, ça c'est fait. Rien vraiment. Et je vous dis, j'ai trop fait un Pokémon. Aéromite. Je sais pas de quel type c'est. Moi je pense que Typhlosion il peut souffrir. Ouais, roue de feu. Il n'y a que niveau 39, je suis niveau 5. Hein. Cherchez l'erreur. En fait, je trouve que ma team elle gagne pas mal. A chaque fois qu'on a affaire à une arène, à chaque fois on a toujours sa faiblesse. C'est cool. Et si on n'a pas sa faiblesse, on trouve toujours une technique. Tu as du talent toi, tu as gagné. Prends ce badge âme. 3900 Pokédollars. Sacha reçoit le badge âme.
Et ça fait le je ne sais plus combien de thèmes de badgé. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est toxique, un puissant poison, je crois, poison, qui double les PV de la victime. Ah, ça, c'est bien toxique. Je crois que je vais la prendre à mes Pokémon. On va faire le point d'ailleurs sur mes systèmes. Je vais encore m'entraîner et m'améliorer. Je serai plus fort que toi et mon petit papa. Ah, bah, c'est à voir. Ok, bah, peut-être pas, je vais te laisser pas mourir du tout. Moi aussi, je vais laisser mourir parce que bon, il y a son Pokémon juste à côté. Par contre, je vais regarder les CT, effectivement. Dynamo Pump, il y a vraiment des attaques super puissantes. Écoutez, je verrai dans hors caméra. Et je leur apprendrai des trucs. Hein. Est-ce que je peux sortir? Non, je suis obligé de faire le tour. Oh putain, c'est pas possible. Alors, désolé si ça vous gêne le clignotement du fait que mon Pokémon soit empoisonné. Par contre, j'adore lui parler. C'était un beau combat, dresseur de Johto. Ok, espèce de cantonien là. Oui, donc je dois voir quand même badge parce que bon. Par contre, je sais pas si on les voit tous. Non, je peux pas les voir. Je peux pas les voir. Donc, j'en ai 8, ça c'est clair, ça c'est ceux de Johto. Je dois avoir les jeunes, c'est plus comment. Bref, vous savez quoi? Débrouillez-vous. Moi, je ressens le Pokémon. Voilà. Je crois qu'on s'arrête là, après les gens, pas que ce soit trop long. Hop, voilà. De rien, merci, au revoir. Voilà, on va se laisser, je ne sais où, devant le safari, parce que le safari il est pas mal. Non, non, je sais, moi, c'est pas ici, moi, c'est là-bas, parce que c'est plus joli. Et en bicyclette en plus. Ouh, ce sera soir, les amis. Alors, on va prendre la bicyclette, comme j'ai dit. Hop. Utiliser. En plus la musique est super swag. On va passer par là. En plus c'est trop... Oh oui c'est beau ici, c'est trop beau. Voilà. On va se laisser ici déjà. Donc bon, je crois que j'ai rien oublié. Ouais voilà, c'était un petit épisode tranquille. Et donc ben voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu les amis. Donc ben, sur ce n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? Est-ce qu'on arrivera? Est-ce que ben, je sais pas. Une problématique, est-ce qu'il y aura un retour de situation? Parce que jusque là dans Pokémon, enfin dans le canton, on n'a pas eu grand chose. Hein. Peut-être qu'à l'aventure il y aura quelque chose, peut-être que si on retourne à Azuria. Ouais, bref, on va laisser le suspense, les amis. Et donc, ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, ciao, plus plus.